الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد شخص sachez qu'Allah nous a créé pour un but immense et une sagesse suprême qui n'est autre que l'adorer d'un culte sincère seul sans rien lui associer. Il ne nous a pas créés car il avait besoin de nous. Il ne nous a pas créés car il était faible pour se renforcer par nous. Mais il nous a créés pour qu'on l'adore seul, sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. À cet effet, il dit dans son livre, je n'ai créé les dînes et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu dois donc adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec sincérité. Purifie ton cœur de l'amour, purifie ton cœur de la crainte, purifie ton cœur de l'espoir de tout autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois l'adorer seul d'un culte sincère. Et c'est pour cela qu'Allah a envoyé l'ensemble des messagers et prophètes. Et c'est pour cela qu'il leur a révélé ses livres saints. Et voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad qui est le dernier d'entre eux. C'est le meilleur d'entre eux. Et le meilleur à avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Le meilleur à avoir appelé les gens à cela. Nous devons donc lui obéir et nous éloigner de ses interdits. Et les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les droits les plus importants après les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce discours, on va se rappeler l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se recommande cela à nous-mêmes ainsi qu'à nos chers frères et nos chères sœurs. Et on met en garde contre toute nouveauté, contre toute innovation dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car cette religion est complète et parfaite. Cette religion est complète et parfaite. Elle n'a pas besoin d'ajout, ni qu'on lui enlève quoi que ce soit. Allah dit dans le Coran, dit, obéissez à Allah, obéis à Allah, obéis aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce que les messagers d'Allah vous ordonnent, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne d'obéir et de suivre la tradition prophétique, d'obéir et de suivre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en matière de croyance, que ce soit en matière d'adoration, ou toute autre chose comme le comportement et les actions. Et Allah nous dit dans son livre, et voici ma voix dans toute sa rectitude, suivez-la, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voix. Voici ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la voie du Coran et de comprendre cela comme les compagnons l'ont compris. Car ce sont ceux qui ont suivi as-sirat al-mustaqim, la voie droite. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam a une importance telle qu'Allah en a fait un signe de la véracité de l'amour du serviteur pour son Seigneur. Tout le monde prétend aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais y a-t-il des signes par lesquels on va reconnaître le véridique du menteur? Allah nous dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est-à-dire suivez le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. On comprend dans ce verset, que celui qui aime Allah, Jalla wa Ala, doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit l'aimer et ne doit pas sortir de la voie avec laquelle il est venu. Et on voit qu'Allah aime ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'aime pas ceux qui s'écartent de la voie de son noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les compagnons par un discours qui a touché les cœurs et qui a fait couler les larmes. Alors ils lui ont dit, ô messager d'Allah, cela ressemble à un discours d'adieu, fais-nous des recommandations. Il leur a dit, je vous recommande la piété, d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur, même si c'est un esclave. Et celui qui parmi vous vivra, verra de nombreuses discordes, de nombreuses divergences, de nombreuses divisions. Accrochez-vous alors à ma sunna, à ma tradition, à ma voix, ainsi qu'à la voix des califs bien guidés. C'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum, wa ridwanullahi alayhim ajma'in. Et mordez-y à pleines dents. Et prenez garde
aux nouveautés, car toute nouveauté est toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, nous fait des recommandations. Puis, il nous encourage à certaines choses et nous met en garde contre d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une maladie immense qui touchera cette communauté. C'est la division. La division des cœurs. La division de la voix à emprunter pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Cela est une maladie grave qui est pire que le cancer et toutes les autres maladies. La division de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux compagnons qui eux étaient unis autour du Coran, autour de la voix avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, tu trouves des gens qui appellent à tel chemin, et d'autres qui appellent à tel chemin, et d'autres qui appellent à tel chemin. Nous disons que tous ces chemins sont égarés, sont égarements et innovations, si ce n'est la voie avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran ainsi que la Sunna, et de comprendre tout cela comme l'ont compris les compagnons, sans ajouter et sans enlever de cela. Le prophète sallallahu nous informe de la divergence de la communauté, puis il nous informe du remède à cela, du médicament qui va soigner les cœurs et les corps, en nous disant « Accrochez-vous à ma sunna. » Voici le remède. Reviens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tout le monde délaisse ses passions. Que tout le monde délaisse l'innovation et toute voie qui égare du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et revienne à ma sunna, à ma tradition, à la voie avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et prenez garde aux nouveautés. » Aux nouveautés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux croyances nouvelles qui ne nous ont pas été transmises de la part d'Allah dans le Coran, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, ni relatées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est nouveauté. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute nouveauté, c'est-à-dire dans la religion d'Allah, est une innovation. Et toute innovation est égarement. Et toute innovation est égarement. Wa kull min alfadil umum. Et le mot kul est une parole qui indique la généralité dans la langue arabe. Et comprend cela toute personne qui comprend la langue arabe. Et n'a pas d'exception à la règle. Si ce n'est quelques ambiguïtés auxquelles les savants de la sunna, bihamdillahi azza wa jal, ont répondu et réfuté de la plus belle manière avec le Coran et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui veut la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il suive le chemin avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'éloigne de toute innovation et de toute nouveauté. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le remède à la division, le remède contre cette maladie est le fait de revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que cette communauté retrouve sa puissance, afin que cette communauté retrouve sa splendeur, comme elle fut au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et devant la gravité de l'innovation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous met en garde contre cela. Donc tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et t'éloigner de toute innovation. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que parmi le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de revenir à sa sunna lorsqu'on diverge entre nous. Lorsque nous ne sommes pas d'accord, comment est-ce qu'on va trancher? Lorsque tu diverges avec ton frère, avec une personne âgée ou avec un jeune, comment est-ce qu'on va savoir où est la vérité? Est-ce que par son nom tu vas reconnaître la vérité? Est-ce que parce que son chir est un tel tu vas reconnaître la vérité? Ou bien par sa couleur et sa nationalité? Non, l'islam est bien supérieur à tout cela. Tu vas reconnaître la vérité en pesant tout cela sur une balance, qui est le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah nous dit dans le Coran, mais non par ton Seigneur ils ne seront pas croyants, tant qu'ils ne te prendront pas en juge dans leur divergence. Tant qu'ils ne t'en prendront, ils ne t'en prendront pas en juge dans leur divergence jusqu'à la fin du verset. Et Allah nous dit dans le Coran, et si vous vous disputez sur une chose, ramenez-la à Allah et à son messager si vous êtes croyant, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est bien meilleur et aura une meilleure fin. Ibn Hazm, rahimallahu ta'ala, d'autres savants nous disent
Le fait de faire revenir cela à Allah veut dire au livre d'Allah. Tu juges selon le livre d'Allah. Et le fait de faire revenir cela à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire aller le voir pour le questionner afin qu'il juge de son vivant. Et faire revenir cela à sa tradition, à sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc de son vivant et après sa mort tu dois juger selon sa sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, ou bien Allah, et Allah avant cela nous informe dans le Coran que la faiblesse vient avec la division. Et est-ce que cette communauté-là a perdu de sa force, a perdu de sa splendeur, a goûté à l'humiliation après avoir connu la puissance, si ce n'est à cause des gens qui se sont éloignés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont divisé et déchiré la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant leur passion et en appelant à d'autres voies que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration ou dans le comportement. Celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah acceptera ses actions s'il est sincère. Et celui qui s'éloigne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'acceptera pas ses actions. Même s'il est sincère. Aïcha radiallahu anha nous dit, le messager d'Allah a dit, celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, son acte sera rejeté. Allah n'acceptera pas de toi l'adoration si tu ne la fais pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance de son suivi, nous dit, si Moussa alayhi sallam, le prophète Moussa, avait été vivant, il n'aurait eu d'autre choix si ce n'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de nous? Alors que dire de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous ai laissé deux choses. Tant que vous allez les suivre, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah, ainsi que ma tradition, ainsi que ma sunna. Et Muawiyah nous dit, les juifs sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens en 72 et les musulmans se diviseront en 73. Ils seront tous dans le feu. On les menace du feu de l'enfer. Sauf un seul groupe. Qui sont-ils? Le groupe. Ce sont ceux qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont suivi le Coran à la façon dont ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, un jour est parti embrasser la pierre noire de l'Kaaba. Il l'a embrassé et lui a dit, Inni la alamu annaki hajar. Je sais très bien que tu n'es qu'une pierre. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'il a embrassé la pierre noire? Iqtida'an bi athari rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar radiallahu anhu a rapporté un hadith du prophète sallam. Il y avait son fils Bilal. Quel est ce hadith? N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. N'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Alors Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, ça n'est pas Bilal qui faisait l'adhan, un autre, a dit, Wallahi, par Allah je vais les interdire. Moi mes femmes, elles n'iront pas à la mosquée. Alors Abdullah ibn Omar radiallahu anhu s'est énervé, s'est mis en colère et l'a insulté d'une façon dont il n'avait pas l'habitude. Il lui a parlé d'une façon, jamais on ne l'avait entendu comme cela. Parler. Il a dit, je te dis, le messager d'Allah a dit cela et tu dis, je vais les interdire. Wallah, je vais leur interdire. Par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Et il n'a plus jamais parlé à son fils jusqu'à ce qu'il soit mort. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Car il a répondu sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il aurait vu les gens de l'innovation au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait donc dit? Subhanallah. Pour une parole, il lui a dit, Wallah, je ne te parlerai plus jamais. Et il ne lui a plus jamais parlé jusqu'à ce qu'il soit mort. Et un jour, Abdullah ibn Omar est en voyage avec certains de ses compagnons. Il s'est arrêté à un endroit et s'est éloigné. Il est resté un certain temps. Et lorsqu'il est revenu, les gens ont dit, on a cru qu'il allait faire la prière. Alors celui qui tenait la monture de Abdullah ibn Omar a dit, non. Un jour, ils étaient en voyage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans tel endroit et a fait ses besoins. Alors Abdullah ibn Omar aime faire ses besoins dans le même endroit. Subhanallah. Regardez le suivi qu'ils avaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et est-ce que cela est le fruit, si ce n'est d'un amour immense qu'ils avaient pour le prophète sallam, et une connaissance quant au fait qu'avec le suivi du prophète sallam, il y a l'amour d'Allah et le paradis d'Allah. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, le fait de faire peu, mais en conformité avec la sunna du prophète sallam, c'est bien meilleur que de faire beaucoup, mais en contradiction avec sa sunna. L'imam al-Awza'i rahimahullah nous dit, nadouru ma'a sunna haythu darat. On va avec la sunna, on tourne avec la sunna comme elle tourne. Il a dit, alaykum bi athari salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyakum wa ara'i ar-rijal, wa in zakhrafu laka bil qawl. L'imam al-Awza'i, qui est un grand imam, nous dit, suis le chemin des anciens, même si les gens te délaissent, et prends garde aux nouveautés, même si on te l'embellit, même si on te les embellit avec des paroles. Suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens parlent sur toi. Tout cela a été rapporté dans les livres de Al-Lalaka'i et d'autres de Ad-Darimi. Et les textes concernant cela sont bien plus nombreux que ce que je viens de citer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur son chemin et qu'il réunisse la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la voie des compagnons. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hayy al-qayyum alladhi la ilaha ghayruh أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى سنة على فهم سلف الأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.